Dans les temps anciens, les Mongols vénéraient les heureux élus nés avec le don de comprendre les chevaux. Grand-père, on n'est pas dans un conte de fées. Ah, c'est quoi ça? Nouveau look, en mode Halloween ou quoi? Je suis vraiment nulle. 9 sur 20, c'est pas la cata. Mes vieux vont me sucrer mes vacances. Quoi? Tu ne nous laisses pas le choix. Tu passeras l'été avec ta grand-mère. Quoi, au cimetière? Non, ton autre grand-mère. Alors, Mika, il paraît qu'on s'écarte du droit chemin. T'as quel niveau? JMC. JMC. Jamais monté à cheval. Profite bien de ton séjour, alors. Mika est entré dans le box et s'est endormi. Dans quel box? Celui de Whisper. Ce cheval est dangereux. Il ne se laisse monter par personne. Oh! Oh! Je ne veux surtout pas qu'elle se balade dans le haras sans surveillance. Oui, entendu. Oh non, Archibald est tombé amoureux d'une vache. Il est comme mon reflet. Mika est en symbiose avec ce cheval. Mais elle ne s'était jamais intéressée aux chevaux avant. Whisper est un fardeau. C'est pas vrai! Elle s'est liée à ce cheval. Très peu de personnes ont ce don. Je sais, je vous ai souvent déçu, mais là, je sens que j'ai trouvé ma voie. Et si on participait au tournoi? Personne ne peut apprendre à monter à cheval en un mois. Ça y est, j'y suis prête. Avant de monter à cheval, il faut maîtriser trois piliers. L'équilibre, le rythme et la coordination. Et le quatrième... Le quatrième? Quel quatrième? La persévérance. Je n'ai jamais vu une telle capacité à communiquer avec un cheval. Tu es prête. Prête à quoi? À faire ce dont tu rêves depuis toujours. Voler. Whisper. Comment ça, drôle de dégaine? Tu t'es regardé?